Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo super rapide pour vous donner les do et don't quand on porte le gain, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on waist train ou bien quand on essaie de perdre du ventre avec une gain. D'abord, on va commencer avec ce qu'il ne faut pas faire. 1. Ne pas dormir avec. Je sais que ça a l'air genre super pratique, genre une pierre deux coups, genre je vais dormir et puis ça va faire tout le travail et tout. Et puis là, je vais même pas sentir le temps passer, je vais même pas sentir que ça me sert, etc. Mais non, c'est totalement faux. La gaine, elle est plus effective quand vous êtes en activité, quand vous bougez, quand vous transpirez un peu, bon, pas vraiment transpirer, mais quand il y a de l'énergie, de la chaleur qui se dégage autour de votre ventre, là, elle est le plus efficace possible. Alors, dormir avec, vraiment, c'est zéro. Et déjà, vous courez des risques parce que dormir avec, si vous avez une crise de panique la nuit, si vous manquez d'air, enlevez tous ces petits crochets là, ça va vous prendre forever, et vous risquez d'y passer. Yeah, c'est triste. Et aussi, encore plus que ça, ces gaines là, elles ont cette sorte de plastique, caoutchouc, barre, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est super solide et ça vous aide en fait à avoir, à mouler votre corps et avoir une forme particulière. Alors si vous dormez et que vous dormez trop, peut-être sur un côté, vous savez, un peu votre corps va rentrer et le côté sera un peu plus à l'extérieur. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec des coupes vraiment déséquilibrées, c'est-à-dire un côté plus rentré que l'autre. Et personne ne veut ça, personne ne veut ça. Et je ne parle pas juste parce que j'ai vu ça, j'ai vu sur YouTube, bien quand j'ai vu sur Google, etc. Mais non, parce que vraiment j'ai été victime. Enfin, j'ai fait cette erreur-là, je dormais tout le temps avec, avec la gaine. Et après, c'était un moment, pendant un bon moment, j'avais des coupes vraiment déséquilibré, un côté était plus rentré que l'autre et je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qui m'arrive. En faisant des recherches, je me suis rendu compte en fait ça pourrait être causé par la gaine parce que je dormais avec et je prenais une position particulière chaque soir et puis là, c'était la catastrophe. Puis j'ai arrêté et voilà, maintenant je suis équilibrée. Thank you. Donc deuxième chose, qu'il ne faut pas faire avec une gaine, il ne faut pas faire des exercices d'intense cardio, c'est-à-dire ne courir pas 100 mètres à l'heure, genre user Bolt ou bien encore faire des kilomètres à courir parce que vraiment vous voulez à tout prix, vous voulez l'écraser et tout, parce que avec ces gaines qui est super serrées, vous allez manquer d'air. Vous allez manquer d'air et ce n'est pas bon pour vous. Et si ça devient subite et si vous avez une crise de panique ou une crise anxiety attack, comme je dis souvent, le temps d'enlever tout ça pour pouvoir respirer, non, vous allez y passer. Yes, encore une fois. Et c'est très dangereux et c'est pas du tout conseillé. Et je ne pense même pas que ce sera efficace parce que vraiment, vous allez trop brusquer votre organisme. Il est serré ici, les poumons n'arrivent pas à respirer profondément. Donc, évitez de faire des exercices d'intense cardio avec. Troisième chose à éviter, évitez de faire trop de... évitez de faire les exercices abdominaux et tout. Parce que là, vous voyez, c'est... espèce de petite bande à l'intérieur là, si vous les pliez, avec le temps ils vont finir par se casser ou même encore perdre leur ténacité et elles vont plus être efficaces du tout, donc la gaine ne servira plus à rien. Donc là déjà c'est pour protéger votre gaine et aussi vous protéger vous-même, parce que si ce truc là à l'intérieur se brise, Dieu seul sait où ça finira, dans votre ventre. Donc ça peut être super dangereux, donc je ne conseille pas du tout de faire des exercices abdominaux avec. Si vous voulez à tout prix faire des exercices abdominaux, enlevez votre gaine. Même ça, même comme celle-ci, c'est une sweat belt et qu'elle est devant là, il n'y a pas ces straps là. Mais moi, c'est super inconfortable de faire des exercices avec. Donc, enlevez votre gaine, faites vos abdominaux et quand vous avez fini, prenez votre bain et reportez encore votre gaine et continuez la journée comme ça. Donc, I don't know. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Déjà, il faut porter la gaine au moins 8 heures de temps. 8 heures de temps parce que si vous portez moins, déjà, elle ne travaillera pas assez. Et vous allez vous retrouver en train de prendre vraiment plus de temps pour avoir le résultat que vous désirez. Et là, c'est pas l'idéal parce que c'est vrai, on veut que tout soit vite fait, bien fait. Donc, portez au moins 8 heures de temps pour aller à 10 heures, 12 heures, vraiment en fonction de vous. Et aussi, ne pas brusquer votre organisme. Laissez le temps à votre corps de s'habituer parce que c'est pas un processus facile pour porter ces trucs-là tous les jours, je vous assure. Ça sert, ça étouffe, ça met mal à l'aise. Mais on finit toujours par s'habituer. Donc, au moins 8 heures de temps, vous devez porter la gaine si vous voulez vraiment avoir le maximum de résultats possible. 8 heures de temps par jour, essayez de le faire tous les jours. Tous les jours parce que c'est facile de le mettre en dessous des vêtements, etc. Donc vous pouvez vraiment passer la journée avec. Deuxième chose à faire, faire de l'exercice. Bon oui, là je sais ça sonne bizarre, jamais là qu'est-ce que raconte la meuf, première fois elle a dit faut pas faire des exercices. Non, je tiens à préciser que la première fois j'ai dit il faut pas faire des exercices d'intense cardio et aussi des abdominaux, mais vous devez marcher, courir, un petit jogging, etc. Ça ne dérange pas, vous devez chauffer le corps. Il est très conseillé de faire des exercices surtout avec ce type là qui est une sweat belt. Ça va vraiment vous aider à accentuer les courbes au niveau de votre taille, ça va vous aider à perdre beaucoup d'eau et par la transpiration et aussi perdre du volume autour de la taille, ce qui est le but recherché. Donc les conseils de faire des exercices avec, oui, sauf que là après il va falloir trop nettoyer votre truc et
parce que la sueur, il faut laver tout le temps, ça va finir par s'abîmer avec le temps. Mais bon, ça nous allons à la troisième chose à faire, il faut le laver à la main. Laver à la machine, c'est très pratique. Moi, j'aime, je lave souvent à la machine, mais avec le temps, je me suis rendu compte que il y a un truc qui va pas, c'est comme si c'est endommagé ou bien ça change, mais il est préférable de le laver à la main parce qu'on sait vraiment pas ce qui peut se passer et aussi en fonction du type de machine que vous utilisez. Lavez-le à la main et lavez-le fréquemment parce que vous transpirez dessus et puis ça sent mauvais et puis c'est pas conseillé, blablabla. Donc, désolé. Quatrième chose, vous pouvez utiliser des crèmes chauffantes, c'est tout à fait permis. Crème chauffante autour de la taille, vous pouvez chercher sur Amazon et je sais pas quelle autre marque de beauté qui fait dans ces produits-là et tout. Cherchez une crème chauffante, vous pouvez la mettre, mais si vous devez passer toute la journée avec, je pense pas que ce soit trop conseillé parce qu'elles ont souvent une odeur super forte et personne ne veut se balader avec une odeur bizarre. Genre, vous allez passer quelque part et plus tout le monde sera là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça sent menthol. Bref, c'est pas conseillé. Mais à vous proche des crèmes chauffantes, ça rend le truc encore plus efficace. Moi, personnellement, je mets pas de crème chauffante parce que je suis allergique à des tas de trucs et je ne voulais pas vraiment avoir des réactions bizarres sur ma peau, tout mon ventre, etc. Parce que j'ai mis une crème peut-être qui n'allait pas avec la gaine. La gaine aussi, vous savez, elle est faite de latex. Donc, ceux qui ont les problèmes contre le latex, faire très attention aux gaines que vous commandez. Toujours regarder la composition de la matière qui est le plus proche de votre peau possible. Et encore, sinon, vous pouvez mettre une camisole à l'intérieur pour que la gaine ne soit pas directement en contact avec votre peau. Et ça aussi, c'est conseillé dans le cas où vraiment vous voulez pas trop abîmer votre gaine avec la sueur, etc. Donc, la camisole, en fait, j'en sais rien, elle va absorber beaucoup de sueur et votre gaine sera protégée. Donc là, ça fait 4 trucs à faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et déjà, je tiens à préciser qu'une fois que vous allez porter la gaine, si vous voulez manger, si vous voulez vraiment perdre du poids, alors vous mangez avec parce que ça va vous donner l'impression d'être toujours plein parce que je sais pas si peut-être la taille de votre estomac il est compressé et puis il a l'impression d'être réduit ou bien il est vraiment réduit alors, mais croyez-moi, avec une gaine, vous n'aurez vraiment, vraiment, vous ne mangerez vraiment plus beaucoup. Donc si vous ne voulez pas perdre du poids, enlevez la gaine avant de manger, enlevez-la. Sinon, après quelques temps, vous allez vous retrouver en train de vraiment perdre du poids parce que vous ne mangez plus comme vous avez l'habitude de manger avant. Donc si vous voulez pas perdre du poids, enlevez la gaine. Ah bon, je crois que c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment, non mais je me crois. Bref, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été super utile. N'hésitez pas de liker, laisser un commentaire. Je vous en prie. Plus il y a de l'interaction avec vous et moi, et plus YouTube recommande ma vidéo à d'autres personnes. Donc si vous avez aimé, partagez, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu. Please. Laissez un pouce bleu. Ok, donc pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, félicitations! I love you even more. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Ou bien encore, retrouvez-moi sur Instagram. Là, je réponds à tous les messages, etc., etc. Et puis, j'y suis constamment, pas vraiment constamment, mais parfois, YouTube, je vois pas vraiment les notifications de certains commentaires, donc ce qui fait que ça passe sous mes yeux, je n'ai pas le temps ni l'occasion d'y répondre. Alors, I love you, bye.